do it. Full exhale, full inhale. Twist like a motherfucker, let's go. Breathe hard, twist hard. If you're comfortable, you're not going hard enough. If you're freaking out, you're doing it right. Let's go. Moi, j'ai eu ce qu'on appelle de l'acné à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à ça, à peu près 21 ans, 22. Là, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que le cannabis avait des super bons effets. Il n'y a pas aucune compagnie qui vendait du CBD au Canada dans le temps. Donc, je me suis commandé une bouteille des États-Unis. Et deux semaines d'utilisation après, j'ai complètement vu la rougeur de mon acné descendre. Et là, ça a vraiment cliqué. J'ai dit, bon, ben moi, j'emporte ça au Canada. Je commence une compagnie de CBD. Puis, c'était illégal, complètement illégal. Il n'y avait même pas de zone grise. Mais moi, puis j'ai jamais suivi légal puis illégal. Ça m'a jamais rejoint. J'ai tout le temps suivi moral ou immoral. Donc là, je suis parti, là, focus. L'entrepreneur, là, il était focus, focus. Là, j'ai décidé, OK, il faut que je trouve un nom. Mais le nom, finalement, ça l'a tombé comme Hemproof. Le nom, un petit peu de sketch, le logo. Ensuite, le gros du travail, c'était la supply chain. Là, j'ai créé une supply chain à travers le monde. Donc là, j'ai trouvé mon extraction directe du chanvre en Scandinavie. Ensuite, les bouteilles en Chine. Ensuite, les saveurs d'arômes naturels en Californie. Ensuite, les labels à Label Link. Ensuite, l'huile de base, c'était à Lanaudière. Donc ça, ça a été le procédé. J'ai fait toute cette supply chain à travers le monde. J'ai tout envoyé ça au laboratoire et le laboratoire manufacturait les bouteilles, me renvoyait ça à comme une warehouse que j'avais à Elmer. Et ensuite, à partir de là, il fallait que je fasse un site web et que je parte fou sur Instagram pour dire au monde que j'existais. Et c'est là que Hemproof a vu le jour. Et quand que j'ai flip la switch après six mois de développer le produit, on a commencé à vendre avec le site web et c'est parti en flèche. J'ai fait plein d'argent et j'ai réalisé après un bout de temps que l'argent, ça n'avait aucun rapport, que ça ne m'intéressait vraiment pas, que dans le fond, avoir plein d'argent, ça ne te changeait pas, que c'était pas ça le but. Et c'est là que les choses ont vraiment commencé à changer dans ma réalité. Parce que lorsque j'ai eu beaucoup d'argent, comme beaucoup, beaucoup trop d'argent, que j'ai réalisé, là au début, je partais une compagnie pour avoir beaucoup d'argent. Là, j'ai beaucoup d'argent. Là, c'est quoi? Là, d'habitude, les gens dans l'entrepreneuriat, ils tombent dans la roue là, un peu. Ah, là, j'ai fait mon premier 100 000 $. Là, j'en veux 500 000. Là, j'ai fait 500 000, je veux 1 million. J'ai fait 1 million, là, j'en veux 10. Là, j'ai 10, là, j'en veux 100. Là, j'en ai 100, là, je veux 1 milliard. Là, j'ai 1 milliard, j'en veux 10. Et ça, c'est la roue du capitalisme, puis c'est là qu'ils te veulent. Ils veulent que tu sois pris dans l'illusion que, ah, oui, OK, là, j'ai plus d'argent, mais j'en veux plus. Donc, tu restes tout le temps vraiment pris dans le jeu Monopoly, tu n'en sors jamais. Mais je crois que j'ai eu une chance en même temps dans une malchance. Mon frère a vécu une near-death experience. Mais ce matin, j'ai pris mon téléphone. Première vidéo que je vois sur le téléphone, c'est mon frère qui parle en entrevue à une chaîne qui s'appelle Caméra de nuit. Donc, il capte tout ce qui se passe en Outaouais pendant la nuit. Et là, il parle, il y a les flasheux de la police qui lui reflètent sur le visage et il dit qu'il vient d'avoir un accident. Salut Charles. Salut. Peux-tu nous raconter un peu ton aventure de miraculé ce soir? Écoute, je voyais premièrement mes lumières, il n'y a pas vraiment loin. Puis, comme de fait,
le chevreuil est apparu en quelques secondes, puis j'ai pas pu réagir, pour l'éviter. Puis j'ai rentré vraiment direct dans le milieu du chevreuil. Puis après ça, j'ai ouvert les yeux, puis j'avais plein. Dans ma visière, ben, elle était couverte de restants de chevreuil, je pourrais dire. Puis après ça, j'ai essayé d'immobiliser la moto. Puis je l'ai arrêté sur le côté ici, puis je l'ai mis à terre, puis je suis devant ma moto, puis je comprends pas comment ça. J'ai juste ouvert le genou, mais à part ça. Après avoir foncé dans le chevreuil, il a regardé à gauche, il a vu deux pattes et la queue du chevreuil. Il a regardé à droite, il a vu deux pattes et la tête du chevreuil. Donc, il a compris qu'il venait de couper en deux le chevreuil. Et habituellement, lorsque tu es en moto et que tu frappes un chevreuil, il y a deux scénarios. Soit toi, tu passes par-dessus de la moto, ou le chevreuil passe par-dessus la moto, il te frappe toi et tu vas en arrière. Dans les deux scénarios, soit tu meurs ou tu te casses quasiment tous les membres de ton corps parce que tu roules à environ 100 km/h. Donc, ça ne prend pas grand-chose. Et un chevreuil, ce n'est pas léger. Et moi, ce matin-là, j'ai vu une vidéo. Pas longtemps après, j'ai contacté mon frère. Je suis allé le rencontrer. Lui, il a commencé à me parler de... Lui, c'est sûr que ça a été un événement que tu appelles... événement de mort, de near-death experience. Et à partir de ce moment-là, moi, je suis parti fou sur la glande pinéale. Et là, j'ai commencé à étudier le cerveau. Et pas longtemps après, mon frère et moi, on partait au Pérou parce que là... on était trop curieux. Là, on était trop curieux. Puis dans les livres qu'on lisait de Near Death Experience, ça parlait de DMT, ça parlait d'ayahuasca. C'est un peu par là que le message de l'univers est arrivé à moi et mon frère qu'on devait aller dans l'Amazonie. Et c'est ça qu'on a fait. On a été dans l'Amazonie pour, je crois, une semaine. Et on a fait trois cérémonies d'ayahuasca, ayahuasca et ayahuasca. On est dans le noir, là. C'est noir, noir, noir. On voit juste une silhouette en avant de nous, puis moi, je le vois en avant. Là. Donc là, je vais vous le refaire dans la lumière, là, mais ça, c'est le verre, mon frère. Il prend la bouteille d'ayahuasca, il la met dans la bouteille, dans le petit cup, il le donne à mon frère. Moi, là, il fait mon petit cup, il met ma ayahuasca, il s'en va comme ça sur le côté, il prend une autre bouteille sur son côté, il fait ça, fou, et là, il remet la bouteille, et là, moi, je dis à Guillermo, je dis, hey, il a mis quelque chose d'autre dans mon verre. Là. Je dis, c'est quoi? Je dis, peut-être qu'il essaie de m'empoisonner. Là. Je dis, moi, j'ai aucune idée c'est qui ce gars-là. Donc là, Guillermo, il demande au chaman, c'est quoi que tu as mis dedans le verre? Il aimerait ça savoir. Puis le chaman, il fait signe de main. Il dit, tout est correct. Donc là, moi, je suis très réticent à le voir. Là. J'ai aucune idée c'est quoi qu'il y a dans mon verre. Le chaman, il vient à côté de moi, puis c'est noir, noir, noir. Il dit, en espagnol, je pensais que mes organes étaient en train de brûler. La première cérémonie d'ayahuasca de ma vie, puis ça, c'est pas pour faire peur à personne. J'ai vécu 5 heures de temps que je dis en enfer. Parce que j'avais chaud, je suais, et ensuite j'avais super froid. Et là, je demandais une couverte. Et là, j'avais les yeux fermés, et là, je chantais mon esprit vouloir partir. Et là, je rouvrais mes yeux pour rester dans la réalité. Et là, dans ma vision, c'était plein, plein, plein de X et tout bougeait. Donc là, j'avais pas les capacités de me lever debout parce que tout était instable. J'avais envie de pipi, je sortais dehors, il y avait rien qui sortait, mais là, juste le fait d'essayer de marcher, aller dehors, c'était compliqué. Il y a eu un moment là, que j'étais sur le matelas là, et que l'ayahuasca a pris complètement contrôle de mon corps. Là. Je partais dans tous les sens. Là. Je ne contrôlais plus rien. Et là, j'essayais de rester dans la réalité ici. Là. Je réouvrais les yeux et là, je refermais les yeux. Ah oui, je dois vous dire. Et là, j'étais complètement, je pensais mourir. Je ne savais pas où que j'allais. Et c'est la plus belle chose qui peut t'arriver. Et lorsque tu penses mourir et que tu vas vivre, c'est quoi la mort? Et qu'ensuite tu reviens et que tu as vécu la mort, tu n'as plus peur de la mort, et ensuite tu vis beaucoup plus léger, parce que plus personne ne peut te contrôler avec le fait que tu vas mourir. Et là, tu sais que mon esprit ne va jamais mourir, ce corps va peut-être arrêter de fonctionner, mais l'esprit vit éternellement. Je file vraiment pas bien, là. Je pense que je vais mourir, je sais plus c'est où la fin, je sais plus c'est où le début, ça l'arrête-tu éventuellement, là, ça, là? Je file pas.
Et là, il me répond, je t'entends pas. Là, je dis, Guillermo, je dis, je te parle, je dis, t'es juste là. Je dis, je te dis que je file pas bien, que je vais vomir, ça fait trois fois que je sors dehors, que j'ai de la difficulté à marcher, que j'ai quasiment pas été capable de rentrer à l'intérieur. Là, il me dit encore, je t'entends pas, et tu parles plus fort. Là, je dis, je parle plus fort, je dis, tu m'entends pas, je dis, si. Il dit, je vois que tu fais des signes, là, mais il dit, j'entends pas ton son. Donc là, ça, c'est mon hypothèse. Je crois que l'univers, elle a coupé le contact des sons. Parce que moi, je parlais, là. Mais l'univers voulait que je vive tout ça, toute seule. Elle voulait pas que j'aille d'aide de personne. Donc là, moi, j'ai give up. J'ai dit, garde Guillermo. J'ai dit, bonne nuit, là. J'ai dit, moi, je vais juste vivre. Que c'est... Je suis retourné sur mon matelas et j'ai continué d'avoir chaud, froid pendant un bon bout. Pensais mourir, revenais dans mon corps et tout à coup, j'ai dit, you become a god if you think like a god. Je suis allé remercier le chaman et je lui ai dit, j'ai trouvé mon purpose à cette vie. Je vais donner une deuxième option à The Collective Consciousness. Trois cérémonies d'ayahuasca et quand je suis sorti de là, là, j'étais Wallace. Et là, intégrer la civilisation était très, très, très différent pour moi parce que, dites-vous, quand je suis parti, j'étais encore William l'entrepreneur. Ma mère, mon père, mon ex, tous les gens me connaissaient en tant que William l'entrepreneur. Et là, je reviens et je leur dis que je ne veux rien savoir de l'argent. Je ne veux pas avoir plus d'argent. J'haïs l'argent. C'est du papier, c'est un outil de contrôle. Et je repartis au Costa Rica parce que là, je n'étais plus capable de la vie en ville. Il fallait que je retourne proche de la nature parce que je me sentais, je sais pas, toutes les autos, ces costumes de William étaient restés dans la ville et je ne voulais plus réembarquer dans ce costume. Ce que je veux maintenant, que j'inspire, c'est des connaissances. Et lorsque tu as plus de connaissances, moins d'argent que tu as de besoin. Et des connaissances, je peux vous en donner, personne ne peut les voler. Tandis que si je vous donne 1 million, peut-être que demain, vous faites voler le million et ça n'a rien changé à votre vie. Ensuite, là, je suis reparti, ça fait 1 an et j'ai été au Nicaragua pour 2 mois, Guatemala pour 5 mois et là, ça fait 7 mois que je suis ici au Mexique. Et ma passion, ma journée est de visiter tous les temples anciens et les architectures anciennes. Tranquillement, pas vite, il va y avoir des gens comme moi qui vont intégrer la jungle. Et là, de commencer à avoir les connaissances, peut-être aller vivre avec des tribus, de commencer à avoir toutes les connaissances de plantes, d'arbres, de matériaux, des tools, des outils, et éventuellement trouver un lieu qu'on peut construire un campement ou une civilisation, une petite communauté. Tu peux vivre dans la ville encore aujourd'hui, je vis dans la ville, mais de savoir que du jour à l'autre, je peux dire non, moi c'est trop, je m'en vais dans la jungle, je sais trouver ma nourriture, je sais quelles plantes que je peux manger, je suis capable de faster pour plusieurs jours, je sais comment construire un toit, je connais mes plantes, mes arbres. Eh bien ça, c'est le plus gros cadeau que tu peux donner à ta vie et à ta réalité, c'est de pouvoir dire non, moi je suis indépendant. Nous ne sommes pas les plus avancés. Présentement, nous sommes domestiqués. C'est complètement différent. On a tout hyper facile. Mais ça et ça, ce sont des Black Mirror. Et tous les Black Mirror sont très, très, très dangereux. Donc, ça va nous éloigner. On dit que c'est des réseaux sociaux pour nous connecter, mais ça nous éloigne des gens qui sont proches de nous et ça nous rapproche des gens qui sont loin de nous. Il n'y a pas vraiment de mal tant que ça à cette chose. Dans le moment présent, je vous parle, vous me parlez, on utilise cet objet et ça nous connecte. Et on ne le sait pas, peut-être que ça va stimuler une personne à aller dedans la jungle et d'apprendre de la jungle et d'apprendre de la nature. Eh bien, on a fait notre travail. Ça n'a pas besoin d'être 10, ça n'a pas besoin d'être 100, ça n'a pas besoin d'être 2 millions de personnes, mais ça va peut-être influencer une personne. Des fois, j'essaie de l'utiliser comme l'outil qu'il peut être, mais je réalise dernièrement que même si je l'appelle comme un outil, c'est très, très, très dangereux. Puis c'est très addictif. La personne que tu vas voir sur mon Instagram, c'est même pas moi. Je suis hypocrite parce que la personne que je mets là, c'est la personne que je désire vous montrer. Tandis que la personne que vous voyez dans la vidéo présentement, elle est beaucoup plus authentique. C'est beaucoup plus la personne comme qui je suis. Moi, dans le fond, j'encourage
tous les gens de cette humanité à connecter avec les plantes sacrées. Parce que sinon, l'autre alternative est de la méditation à chaque jour pendant plusieurs années, concentré, loin des distractions, des points. J'aspire plus à rien, je pense plus à qu'est-ce qui pourrait arriver. Je fais juste flower. Donc, la seule personne qui sait quand que cette chose va arriver, le gros déclic, c'est l'univers, c'est pas moi. C'est les étoiles. On vit dans une horloge. On est le temps. Les étoiles, ils tournent alentour de Polaris, parce que c'est l'étoile au-dessus du pôle Nord qu'elle ne bouge pas, qu'elle est fixe. Tous les autres sont fixes, mais ils tournent alentour de Polaris. Donc, nous sommes dans une horloge. On est en train de rentrer dans l'âge de Aquarius, qui est une grande awakening. Donc, c'est là qu'on est en train de rentrer à l'intérieur et je pense que ça se ressent.